Cette pratique médicinale 17 ans qu'elle est instituée au Bénin. Une journée nationale pour la médecine traditionnelle. Un creuset pour les tradis praticiens de renforcer la sensibilisation et le plaidoyer en faveur de cette médecine ancestrale. Cette médecine a toujours été inséparable de l'histoire et de la culture des peuples. Et les tradis praticiens constituent un réseau institutionnel crédible et puissant qui peut faire passer auprès des populations, tant urbaines que rurales, des messages bien conçus en matière de santé. La célébration de la 17e Journée nationale de médecine traditionnelle devra permettre d'une part d'évaluer le progrès accompli dans la mise en œuvre des interventions en faveur de la médecine traditionnelle et d'autre part de sensibiliser les acteurs locaux, les partenaires au renforcement du rôle de cette médecine dans le système national de santé. Au Bénin, selon les autorités sanitaires, 80 Béninois sur 100 font recours au système traditionnel pour se soigner. Le gouvernement en est conscient. Une feuille de route est déjà mise en place pour assurer une intégration complète de cette médecine. Dans l'optique de faire de la médecine traditionnelle une pratique médicale imposante et solidement implantée, notre pays a mis en place une politique nationale, un cadre réglementaire et un code d'éthique et de conduite pour la pratique de la dite médecine. Cette disposition rend aujourd'hui possible la production en quantité commerciale des médicaments traditionnels standardisés. Le pont entre la médecine traditionnelle et moderne se bâtit ainsi progressivement. Un pacte qui va à coup sûr valoriser la science médicale au Bénin.